Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons jouer à Vanishing Point sur Play 1, sorti en 2000 sur la console de Sony, donc en fin de vie de la console, hein, autant se le dire. C'est développé par Acclaim. Acclaim qui, un an plus tard, si je me souviens bien, ou on va dire un an et demi plus tard, allait sortir le premier Burnout. Alors, est-ce que ce jeu est un prélude à Burnout? On va le voir, on va le découvrir. Alors, on a quelques modes de jeu. On a le mode arcade, on a le mode face-to-face, donc head-to-head. Le mode multijoueur, on a les options, on va voir les options déjà. Options visuelles par exemple. Ah bah, on va pouvoir mettre les kilomètres-heure déjà, ça peut être pas mal. Rival marker, on va faire on. Accept setting, on va faire ok. Alors, record, sound, contrôleur, on va voir un petit peu les touches. Donc ça m'a l'air être toujours pareil. Ok. On va regarder les extras. On a l'intro movie, des secrets, game statistiques, les crédits. Et des choses qui sont pas encore débloquées. Alors on a le mode arcade. Mode arcade, on a un mode tournoi, single race, stunt trail, stunt driver. Oh, ça peut être sympa ça. Et en mode head to head, on peut faire une simple course ou un ballon buster. Je ne sais absolument pas ce que c'est. On va voir si on peut le tester après. Alors, on va commencer par le mode arcade. On va faire une single race histoire juste de commencer. On peut voir qu'on a pas mal de véhicules. On a une Alpha, des Aston, d'ITT, BMW, Dodge. On a Ford Explorer, Ford Mustang Cobra. On a que ça pour le moment de débloquer. Après, on aura une Ford Ranger, Lotus Elise, Shelby Cobra, TVA Griffith et Toyota Supra. Et on a tout ça comme véhicule secret. Si je fais L1 et R1, je peux les afficher. Alors je vous propose de. Ben, on va prendre. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, on va prendre ça. On peut voir les specs avec carré. Va prendre celle-là en automatique. On n'a qu'une course de débloquée. Donc on va faire la première course. On va mettre deux petits tours. Et en sens normal. Accès aux données. Changement un petit peu long, mais on a que ça. Allez, c'est parti. Donc il y a un temps à battre de 2 minutes 15. Ok, c'est parti. Oula. Alors déjà, oh le maniement. Oh, on sent que la voiture est lourde, ce qui est logique d'ailleurs. Avec elle, on a la petite vue arrière. Oh la vache. Cette voiture est un camion. Et on est devant. 4 centièmes. Alors là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de classement. On doit battre un temps, tout simplement. Oh, le maniement est ultra particulier. La voiture glisse dans tous les sens. On sent que l'arrière se dérobe assez vite. Ce qui est marrant, c'est que quand l'arrière commence à glisser, on a le compteur qui s'affole. Voilà, il y a un van Volkswagen combi. Alors j'ai remarqué qu'on peut mettre le neutre aussi. Et le neutre, ça peut être pas mal, ça permet peut-être de monter dans les tours. Pour l'instant, on est devant. On va essayer de freiner un peu. Oh, aïe aïe aïe, j'ai tapé. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait de dommages sur la voiture en revanche. Oh mon dieu, cette voiture est très très compliquée à conduire. Alors il n'y a pas de musique, c'est un peu bizarre. On a du monde en tout cas à dépasser, j'ai l'impression. J'ai vu une Alpha, j'ai encore vu un combi devant. On en avance une seconde, ce qui est pas beaucoup. Oh, c'est super difficile à manœuvrer cette. Allez, pour l'instant, on est toujours en première place. On a 12 secondes pour aller l'arriver. Ah, devant, il y a une Audi TT là qui nous a bloqué. Est-ce qu'on va réussir pour. Oui! Oh, pour 2 centièmes.
Alors du coup on va pouvoir mettre son pseudo ou son nom. Alors. Facile. Allez. End. Continue. On peut voir le replay, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Alors les graphismes sont assez particuliers, hein. On a des textures assez prononcées. Il n'y a pas trop de décor. Bon, on a une petite animation avec le train à gauche de nous. Allez, on va faire start, on va essayer de voir un peu la suite, on va faire continuer. On va faire quitter, oui. Et on va essayer le mode stunt. On va voir ce que c'est. Donc arcade, stunt driver, the long jump. Ah, on peut débloquer des événements. Ok, on va faire ça. Et on sera au volant d'une TVR Cerbera. Ah, et on peut changer la couleur, regardez. Avec gauche-droite, on peut changer la voiture. Alors, dans cet événement, vous avez 34 secondes pour négocier la rampe qui se trouve devant vous. Les points sont scorés à partir du moment où vous prenez et vous êtes en saut. La distance mesurée, nan, nan, nan. Si on a un super score, on fait 75 mètres en 14 secondes ou moins. Ok. Ben c'est parti. Est-ce que c'est un Stuntman avant l'heure? D'ailleurs, Stuntman, il faudrait qu'on y joue. J'espère que ça va enfin marcher parce que c'est un jeu que j'ai voulu essayer la dernière fois et qui était assez lent. Je suis censé faire demi-tour, je crois que tout est bon. Oh, course complete. On a fait 75 mètres, on a fait 97 points sur 100. En temps de 16 secondes. Et du coup, on a le bouton continuer. J'espère qu'on a débloqué la deuxième partie, ça peut être sympa. Oui, Stuntman, c'était vraiment le jeu. Ah, qui nous mettait dans la peau d'un cascadeur pour la réalisation de films de cascade. Et c'était vraiment bien. Alors, dans cet événement, vous avez 36 secondes pour négocier le slalom. Ok. Ok. Avec une BMW 325SI, si j'ai bien compris, ou 325i. Alors, j'ai remarqué que les voitures ont chacune leur façon de piloter. Enfin, elles ont chacune leur physique. Chacune leur physique. Donc ça, c'est pas mal aussi. Alors par contre les bruits, j'ai pas l'impression qu'ils soient bons. Oh là là! Ah j'ai à peine effleuré, vous avez vu, à peine effleuré la partie rouge. Mince, on va faire restart. Je crois que j'ai oublié la marche arrière. En fait, il faut que je fasse l'aller retour si j'ai bien compris. Comment on fait demi-tour? Comment on fait demi-tour? Comment on fait la marche arrière? Au secours! Ah, est-ce qu'on peut y arriver en 8 secondes? Je pense pas. Ok. Donc il faut que je fasse demi-tour. Alors il faudrait que je fasse vraiment un. Comment dire? Un dérapage contrôlé, je fasse à 180. Pas dire que je l'ai bien fait, je l'ai même totalement foiré.
Ok. 53 sur 100, on a réussi. Par contre, le temps était totalement pourri. Mais on va quand même le valider. On va faire continuer. Ah, attendez, parce que j'ai un câble qui bouge là. Voilà. Avec cette chaise qui fait un bruit, mais de l'enfer. Hein. Franchement, on pourrait presque faire un film d'horreur avec. Ah, il faut 155 points pour verrouiller. On a combien? On a 150 points. Bon, on va essayer de le retenter quand même. Pour voir si on peut au moins débloquer le troisième. Après, on essaiera de faire un mode course. En tout cas, j'aime beaucoup le maniement, même s'il est très très complexe. Il y a un côté assez simulation qui est cool. Même si c'est un peu exagéré, je vous l'accorde. Oh là là, à peine on effleure. À peine on effleure, c'est la merde. Allez, on va retenter. Le problème, c'est que je suis quand même obligé de garder l'intérieur hein, pour avoir le moins de trajet à parcourir. Oh! Le petit bout, le pixel! Imaginez si dans Gran Turismo c'était comme ça, c'était au pixel près. Quand vous faites les permis. On est à combien? 53. On va faire restart. Je crois qu'il manque, il faut faire 55 points pour que ça passe. En tout cas, j'adore ce genre de truc avec les épreuves de conduite. Voilà, je l'ai pris à fond. Et du coup, on est à... Oh, 67. Donc ça, c'est bien. On va peut-être débloquer la troisième. Bon, par contre, le dérapage contré, je crois que je l'ai pas compris. Il doit y avoir un frein à main avec le triangle ou je sais pas quelle touche. J'ai 34 secondes pour négocier ce saut. Un retour to the finish block et the perfect score, game must complete event en 24 secondes ou moins. Ok, c'est parti. Ah! D'accord, donc faut pas sauter dans la partie rouge. On va encore tomber dans la partie rouge. Ah non, mais j'ai compris, en fait, il faut prendre l'extérieur directement. Oh là là, regardez-moi, c'est un carnage. C'est un carnage. On va retenter. Allez, c'est parti. Oh, c'est passé! On est passé pas mal là. 95 sur 100. C'est pas mal. Est-ce qu'on va débloquer le niveau suivant? Franchement, je trouve ça passionnant. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça vraiment cool.
On va voir si on peut débloquer le quatrième. Allez, on en fait un dernier. On va faire celui-là, on va voir ce que c'est. 70 secondes pour négocier le humpback jump et... Checkbox, Counter reach 5. Ok. Bon, je pense avoir compris. Je pense. Alors, les écrans de chargement sont pas mal aussi. Ah, je crois que c'est une TVR hein, qu'on a. Allez, c'est parti. Il faut en faire 5. Ouais, il faut faire un... Faire un fast... Ah, mais je suis bête, en fait, c'est en utilisant le neutre que je vais pouvoir peut-être... Mieux accélérer. Mais je pense qu'on va le passer quand même. Bon, bah c'était très lent, mais au moins on a réussi. Allez, on va faire continuer. On va revenir dans le menu pour voir s'il y a d'autres modes de jeu. En tout cas, très sympa hein, comme mode, franchement. Allez, on va revenir en arrière. On va faire un tournoi. Alors je vais pas prendre la Ford Explorer qui m'a l'air horrible, on va prendre la Ford Mustang Cobra. On n'a pas débloqué de voiture j'imagine. Et on va la prendre en... Ouf, je sais pas quelle couleur. Allez en jaune, c'est parti. Et on a le chapeau 1. C'est parti. Alors là j'imagine que c'est une vraie course. Peut-être pas une course en temps. Quoique le mode course simple était une course en temps donc... Par contre, il n'y a pas de musique, c'est assez étonnant. Ah, on a quand même un temps. Donc, ok, c'est vraiment des temps à battre. Ok. Allez, c'est parti. Alors, c'est le même circuit qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va essayer de bien le faire. Alors, voilà, notre temps de référence, apparemment, c'est ça. C'est la voiture devant nous. Ah non, on a encore d'autres voitures. Elle glisse pas mal, hein. Alors, est-ce qu'on va réussir à dépasser une des trois? Eh, c'est qu'elles accélèrent bien hein, devant. Je crois que c'est une Audi TT. Elles vont être bloquées. Oh là là, je l'ai touché, non. Ah oh, mince, je l'ai complètement poussé. Yes. Ah oh, dommage. Prendre la vitesse. Yes, on a tout dépassé. D'avoir une tellement grosse accélération. Là, c'est une Ford Focus. Oh, et c'est le carton. C'est le carton du compteur de la vitesse. Vous avez la Ford Focus comme elle accélère vite. Alors du coup on finit bah, second je pense. Ah non, position première. Ok. Alors j'ai pas trop compris hein. Concrètement, je pensais qu'on terminerait deuxième parce qu'il y avait une voiture devant nous.
Mais comme c'est qu'une histoire de temps, bon, bah, on va dire que c'est bon. Du coup, ah voilà, donc c'est que des courses en temps. Donc, bah, on marque 9 points pour avoir fini premier. On va faire continue. On va découvrir le prochain tracé. Ce silence de la mort. Ah, un circuit un peu différent. Il fait beau. Alors c'est très très pixelisé. Bon, j'ai pas trop parlé encore des graphismes du jeu et des sons. Alors au niveau des sons, on est pas mal, enfin si on nommait la musique qui n'est pas présente, mais je pense que c'est peut-être un bug, hein. Normalement elle doit l'être. Je pense qu'il y a la musique. Mais les graphismes sont plutôt pas mal. Les voitures sont bien réalisées. Je trouve que les voitures sont plutôt bien faites. Bon, les graphismes, après, pour un jeu sorti en enfin, en 2000 en tout cas sur Play 1, c'est moyen. Non, je suis complètement jeté. Après, bon, c'est pixelisé, mais on va dire que ça va. Les décors sont plutôt sympas. C'est propre en tout cas, voilà, c'est un jeu propre. Oh, je me suis carrément fait pousser. Ah, il m'a envoyé dans les cordes. Oh là là, et le double carton, regardez-moi ça, la voiture qui passe. Super! Voilà, je sais pas comment je vais faire pour faire un bon temps, parce que tout le temps que j'ai perdu. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de dommages sur les voitures. Parce que je trouve que les. On sent que ce sont entraînés pour Burnout quand même. On sent qu'il y a une physique de collision qui est quand même plutôt bien rendue. Ouais, Golf GTI. Ça c'est sympa aussi. Allez, on va essayer de revenir. Je pense que c'est faisable. Si je me fais pas trop couper la route, je pense que c'est faisable. Oh là, une Jaguar. Il y a pas mal de voitures, hein. Franchement, les voitures à débloquer, vous avez vu, il y a une page entière à faire. Alors je suis pas sûr qu'on puisse rouler avec toutes les voitures, hein, qu'on voit là. Attention au saut. Ouh! On va regarder derrière nous. Je crois qu'il y a une Subaru là. Ah, par contre, on finira pas premier, ça c'est sûr. Ouais, 5 secondes. On a perdu vraiment trop de temps dans le crash en fait. Mais c'est pas mal, on finit quand même deuxième. Ah, par contre, c'est pas mal, il garde les lettres que l'on a fait précédemment. Bon, du coup, on est toujours en tête, parce qu'on a fait premier, deuxième. On a 15 points. R-N, continue. Et on va faire continuer. Et on a gagné. Alors, il n'y a que deux courses pour le premier chapeau. Et on a débloqué un nouveau véhicule. On a combien? On a 25 minutes. Ah bah c'est déjà fini. Ok, donc on va faire Arcane, on va faire tournoi. Et on a débloqué une Ford Ranger. Ah ouais, alors franchement, je sais pas si ça valait le coup. On va garder la Ford Mustang Cobra. Et on va essayer le chapeau 2. Avec une course supplémentaire entre les deux autres. Et après on fera un face-to-face. Histoire de voir ce que ça donne. Ce sera peut-être plus compliqué que tout à l'heure, hein, le chapeau 2. Je sais pas si les prérequis vont être plus grands ou plus petits. En tout cas, ils seront au moins similaires, mais.
Allez, on est en avance d'une seconde pour le moment. Après, c'est le mode arcade, hein. Waouh. Le vent qu'elle met, c'est incroyable. Ou devant, ça s'est rentré dedans. Eh, hey, il me pousse. Oh là là, par contre, pour sortir de là, voilà, bah, malheureusement. Voilà, et bien entendu, je me retrouve face au mur. Ah, la moindre erreur est fatale, hein. On va recommencer. Alors pour l'instant, je trouve que c'est quand même plutôt un bon jeu, hein, mine de rien. C'est peut-être pas le meilleur jeu de la Play 1, loin de là, mais il y a de bons arguments. Et c'est parti. Bon, les chargements sont un petit peu longs, c'est dommage. On aurait dû pouvoir faire restart directement en fait, sans forcément devoir se taper tout un chargement derrière. Bon, j'ai tué quelqu'un, c'est pas grave. Et ça passe quasiment à fond, hein, ce virage. J'ai pas relâché l'accélérateur. En fait, le gros problème de la Ford, enfin et de beaucoup de voitures dans le jeu, c'est qu'une fois qu'on a décroché, c'est très difficile de la remettre en ligne. Ça s'est cartonné. Oh là 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 là. Mais c'est pas mal parce que les IA font des erreurs. Et comme je vous dis dans chaque vidéo, quand l'IA fait des erreurs, c'est que l'IA n'est pas trop random. Enfin, random, et pas trop. Non, pardon, pas trop linéaire. Je vais me la prendre là. La Beetle. Elle va me bloquer. Voilà, 3 secondes d'avance, ce qui est pas mal. Alors, une fois qu'on maîtrise le véhicule, c'est quand même vraiment, vraiment agréable à piloter. Vas-y, pousse-moi, vas-y, pousse-moi. Ça, j'adore. Et du coup, quand on est aidé par l'IA, bah, on fait un meilleur temps. Ouais, le deuxième temps, on l'a fait en 57 secondes. Ah non, j'ai fait view replay. Mince. Bon, on va faire la prochaine course. On va tenter les 3. Et après, on fera le mode face to face. Enfin, je sais pas ce que vous pensez du jeu. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt une bonne surprise. C'est pas le genre de jeu auquel on pense quand on cherche un jeu de voiture. Ah c'est oui, c'est un autre AC, j'allais dire, c'est pas le même que tout à l'heure. On est sur l'autoroute. On va même pousser la vers la. Oh là, regardez le vent à chaque fois. C'est incroyable. En tout cas, c'est marrant comme tracé. Oh là la vache. Ah oui, il y avait un. On va dire un véhicule banalisé sur le côté. Non, non, non. Ouh, attention. Et là, j'ai perdu du temps, je pense. Ah, et puis pour reprendre de la vitesse en côte, c'est pas évident.
plutôt sympa comme tracé, j'aime bien. Assez vallonné. Je ne vois pas ce qui se passe en dessous. Je vois qu'il y a un carton. Oh là 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 là. Ah, derrière, ça s'est bien accroché. Ah, on est derrière. Pour une seconde, on est derrière. Ah, il faut que j'évite les voitures aussi. Hein. Et on est premier. Ah, le tour est assez long quand même. Oh là là. C'est vraiment. Ouais, c'est plutôt jouissif, hein, concrètement. Hein, la voiture qui dérape derrière, là. Enfin, j'aime bien. Franchement, au début, c'est très compliqué. Mais une fois qu'on a l'habitude, c'est. On s'amuse en fait avec le drift. Parce que presque se croit dans l'initial D à cet moment. Là, évidemment, elle va me repousser. Ah, je l'avais vu. Je l'avais vu. Et voilà. Bon, là, par contre, on est mort. On a perdu trop de temps, je pense. On va essayer de revenir. Ouais, j'ai pas eu trop de temps, je pense, dans ce partiel-là, en retournant. On est toujours devant. Eh ben, j'aurais pas cru. Ou alors, on a peut-être pris tellement d'avance tout à l'heure. Et oui, quand on dérape, on perd aussi de la vitesse. Donc en fait, on peut jouer sur la glissade pour perdre de la vitesse en courbe. Pour pouvoir mieux s'inscrire dans le virage. Par contre, c'est vraiment un coup-gorge parce qu'on voit pas du tout les voitures devant nous quand on est en descente. Allez, bouge ta voiture, bouge ta caisse. 18 secondes encore pour finir le circuit. 11. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Je pense qu'on aura le temps. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, nickel, c'est passé. Et devant, ça s'est cartonné. Ouais, j'aime beaucoup aussi ouais, la gestion des chocs, elle est quand même bien faite. Il y a un bon ressenti physique. Voilà, la physique est bien travaillée. Je pense que c'est ce qu'on retiendra de ce jeu. Et donc, la troisième course. Bon, je pense qu'avec deux victoires, si on se foire pas trop dans la troisième, on devrait s'en sortir. Let's go! Alors c'est vrai que j'ai pas trop parlé des vues, mais on a quand même une vue embarquée. Regardez ici, qui est plutôt sympa. Par contre, on a que trois vues. On n'a pas de vue avec le cockpit, on n'a pas de vue intérieure. Oh la remontée. Alors attention, il va y avoir de l'IA devant. Enfin de l'IA, je sais que des IA, mais quand je dis l'IA, c'est vraiment les voitures bouchons. Oh, on a une Focus sportive avec une livrée. En plus, il va se foirer. Regardez comment il va se louper. Oh, ben voilà. Et du coup... Ben, comme nous, en fait. Hein. Ah non, elle a accéléré quand même. Oh purée. Et voilà. Je pensais pas qu'il freinerait à cet endroit.
On est passé à travers. Entre les deux voitures. Ah bah la Focus s'est déjà repassée devant en fait. Je pensais qu'elle était toujours derrière. Allez, pousse-toi! Il fait le malin avec sa Focus, mais dans les virages, il est beaucoup plus lent. Attention au combi. Oh là 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 là. Ah, je voulais me faire pousser par la voiture. Et du coup, on finit combien? J'ai pas vu. Bah, premier. C'est pas mal. Alors, on fait continuer. Est-ce qu'on a fini le championnat? Je pense que oui. Et voilà, on a fini premier, donc on a gagné. Ah, le mode Balloon Buster Mode. Du coup, on pourra tester le mode. Et on pourra voir si on n'a pas débloqué une nouvelle voiture. Alors, on va faire. Alors, Single Race ou Balloon Buster, on va faire Balloon Buster. On n'a pas débloqué de voiture, donc bah, je suis désolé, mais on va garder la même. On va changer de couleur si vous voulez. Parce que j'aime bien. Voilà. Et le joueur 2. Ah! J'avais omis ce détail en fait. Il faut. En fait, le Balloon Buster, c'est du multijoueur. Donc alors attendez. Je reviens en arrière parce qu'en fait c'est vraiment un mode de joueur. Ah d'accord. Alors attendez, on va retendre. Ah le head-to-head c'est vraiment du deux joueurs. Bon bah écoutez, il n'y a pas de mode en fait. On peut pas trop savoir ce que c'est. Tant pis, écoutez. On va faire quoi? Tournoi, signal, temporal. Bon bah écoutez, on va faire un petit stunt driver, on va voir un petit peu la suite. Histoire de s'amuser un tout petit peu sur la fin. On est déjà à 39 minutes de vidéo. Et là on sera avec une Alfa Romeo GTV 3 litres. Bon c'est un peu dommage qu'on n'ait pas. Que je n'ai pas d'amis autour de moi pour pouvoir tester ça. En tout cas, bon, pour l'instant, si je devais donner une note à ce jeu, je lui mettrais un bon 14-15. Parce que bon, même s'il a ultra vieilli, même s'il n'est pas parfait du tout, il est quand même bien sympa. Ouh, Alfa Romeo. Ah, je le savais, je sais pas pourquoi. Trop à l'intérieur. Allez, on va retenter. Elle, ça va passer. Et bien décidément, on s'est foiré au dernier virage, on se foire au premier. Oula, je sais pas ce qui s'est passé, le moteur s'est emballé complètement. Donc c'est R1 pour faire un dérapage, voilà, je viens de comprendre. Et voilà. Alors je sais pas si j'ai fait un bon score, je pense pas. Ah, quoique 75, c'est pas mal. On va faire continuer. J'espère que ça aura permis de débloquer la suite. Ouais, on a débloqué. Allez, DB7 Vantage. Oh, on a une bonne voiture pour cette partie-là. Mais j'ai pas lu ce qu'il fallait faire.
Bon, c'est marrant, c'est le système de départ. Il lance la voiture. Ok. Donc il faut péter des ballons, parce que là, bon. Ok, j'ai compris, on peut en faire qu'un à la fois. Ouf, faut qu'on la DB7 là. Ok, on a percé deux. Nickel. Allez, il en reste plus qu'un. 3, 2. Ah non! Ah, on a fait 45. Ah bah ouais, il fallait juste 50 pour réussir. Allez, on va tenter une dernière fois. Par contre, étrangement, je sais pas trop comment faire pour réussir celui-là. Ah, j'en ai loupé un. Bon bah du coup, vu que j'en ai loupé un, je pense que c'est fichu. Ouais, c'est fichu. J'en aurais pas 6. J'en aurais pas 10. Alors on va pas réussir. Bon, bah écoutez, on va faire une dernière tentative, puis on va se laisser là-dessus. Allez, on tente dès le départ. Voilà, deux, c'est bon. Allez, non, c'est pas vrai. Ah, trop de temps perdu. On a perdu bien trop de temps là pour pouvoir faire quelque chose de... En plus, la voiture, ça va se retourner à nouveau. Ah, j'aurais pas le temps. Et c'est dommage hein, parce qu'il m'en restait qu'un à chaque fois. Bon bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc c'était Vanishing Point sur PlayStation, sorti en 2000, donc je l'ai dit, édité par Acclaim. Un jeu que je trouve plutôt vraiment vraiment sympa. Je vous conseille de tester si vous aimez ce genre de jeu. Donc le top, on va récapituler, hein, mais en gros, les graphismes sont corrects, les sons des voitures sont corrects. La musique, on sait pas. Le maniement est sympa, franchement. La gestion de la physique est pas mal. Voilà, donc c'est un jeu qui est une bonne moyenne. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'essayer si ça vous intéresse. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.